Je vais tout d'abord commencer par vous demander de vous approcher un petit peu, ceux qui sont les plus éloignés. Bon. Madame la sous-préfète, représentant Madame la préfète. Monsieur le président du conseil départemental, cher Philippe. Monsieur Robert Cabet, président de la communauté de communes d'Assuradour. Monsieur Guy Darieux, ancien conseiller général et ancien maire de Risque. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des différents services de l'État, et vous tous ici présents. Je m'adresse à toi, Jacques. C'est le cœur rempli d'émotions que je me présente aujourd'hui devant toi. Les mots qui vont suivre sont ceux de ton équipe municipale. Jacques, il y a une dizaine de jours, même affaibli, tu es venu à présider ton dernier conseil municipal. À la fin de la séance, très ému, tu nous as annoncé avoir proposé ta démission en tant que maire à la préfecture. Quel choc et quelle émotion pour nous tous, à qui en plus tu adressais tes remerciements pour ces années de collaboration. Ce que nous n'avons pas réussi à te dire ce soir-là, nous te le disons aujourd'hui. Tout ce temps passé à tes côtés laissera au fond de chacun de nous le souvenir de l'homme, d'un chef d'équipe, à la fois juste, intègre, tenace, rigoureux et exigeant, surtout avec lui-même. Nous pouvons te retourner les paroles que tu as prononcées il y a seulement 7 mois, ici même, sur les marches de la mairie. Lors de l'hommage républicain rendu à l'attention de ton prédécesseur et ami André, en ne changeant que le prénom. Jacques, te voilà devant cette mairie pour laquelle tu t'es tant donné. La commune te doit beaucoup et tu resteras ancré dans le cœur des Barcelonais. 36 ans de ta vie passée au service de la commune et de ses administrés. 36 ans d'engagement citoyen au plus près de tes convictions. Tu laisseras le souvenir de l'homme d'action, mettant toute son énergie dans l'accomplissement de projets communaux et intercommunaux. En tant que premier magistrat, tu as contribué tout d'abord à la fusion entre la communauté de communes du Bassin de Rougersois et celle d'Erin. Au cours de ces deux mandats, les réalisations que nous avons menées à bien sous ta direction sont nombreuses. En voici la liste non exhaustive. L'achèvement des travaux de l'église, la création du bâtiment qui héberge la médiathèque et les salles de réunion, la réfection des ateliers municipaux et la création d'un local pour la société de chasse, sujet qui te tenait à cœur, l'extension de la cantine et la réfection des cours et heures de jeu au groupe scolaire Jean Jaurès, les importants travaux à la salle de sport, isolation, chauffage, vestiaire, pour le bien-être du club de basket que tu venais encourager tous les week-ends, la rénovation de la mairie, le développement bien sûr des lotissements communaux, l'aménagement du centre-bourg avec la réfection des places, de la garlande et de la mairie. Et le dernier projet, la réfection de la salle des fêtes, les travaux devant débuter sous peu, dont tu ne verras malheureusement pas la réalisation. Ton engagement était total, et ton surnom de shérif n'était pas usurpé. Sur ton fidèle destrier à deux roues, tu parcourais les rues du village, les gares aux incivilités et au non-respect du bien public. Nous ne te verrons plus bondir de ton bureau pour siffler un camion prenant le sens interdit et à l'occasion apostropher le conducteur fautif. Ton rôle de maire ne s'arrêtait pas là et tu étais exemplaire dans la gestion du personnel communal envers lequel tu étais exigeant tout en étant généreux et humain. Et quand enfin tu quittais le costume de maire, c'était pour mieux retrouver ta famille et tes petits-enfants. Mon aide, Sébastien, Karine, Tom, Yanis, Sarah et Romain, et toute la famille qui est affectée par la disparition de Jacques, je vous prie d'accepter au nom du conseil municipal, du personnel actif et retraité, et de tous les Barcelonais, nos plus sincères condoléances. Je veux profiter de cette tribune pour dire quelques mots, plus personnels cette fois, pour évoquer l'ami, et même plus, que Jacques est devenu au fil des années pour moi. J'ai eu la chance d'être le témoin privilégié, enfin, des forts liens d'amitié que Jacques savait tisser. Au cours de journées de chasse à la Valombe, auxquelles une joyeuse bande de copains participait,
où lors des matinées de chasse aux lièvres, Jacques était toujours présent, car il aimait plus que tout la convivialité de ces moments. Grandissant, j'ai pu en devenir acteur et apprécier toutes les qualités de Jacques, qui s'exprimait pleinement lorsque la saison de chasse passait, nous dégustions tous réunis le civet de lièvres. Généreux, il ne se passait pas une fête de Barcelone sans que Monette et lui ne réunissent leurs amis au bord du canal pour passer des instants mémorables. Dans les moments plus difficiles que nous avons eu à traverser, tu as toujours été d'un grand réconfort, toujours à l'écoute et aidable. Ces souvenirs et bien d'autres resteront ancrés au plus profond de moi. Adieu, Jacques. Je laisse la parole à Guy Garville, son ami. Mon cher Jacques, Monette, Karine, Sébastien et vous tous. En quelques mois, le funeste destin vient une nouvelle fois frapper brutalement notre communauté. Nous voilà à nouveau réunis sur le parvis de cette mairie pour essayer de vous apporter réconfort à toi Monette, à toi Karine, à toi Sébastien, à toute votre famille. Et à toi, Jacques, te témoigner en grand nombre toute notre amitié et notre reconnaissance pour cette vie consacrée largement à la chose publique. Toi, Jacques, le voisin, enfant de Saint-Germain, où tu as passé toute ta jeunesse, tu as fréquenté l'école publique du village, ce fut ta chance. Tu as trouvé un maître qui a su t'instruire, mais aussi t'entourer, t'encourager et te permettre de prendre l'ascenseur social qui s'appelait le concours du trésor public. Tu as gardé pour la famille Galabert une inaltérable reconnaissance. Dans cette grande famille de la fonction publique, tu t'es complètement révélé. Début classique, région parisienne, Mantes-la-Jolie, puis tu as retrouvé ta Gascogne, à Nogaro, puis à Risque. Tu étais un fonctionnaire compétent qui possédait toutes les subtilités des finances publiques. Tu étais devenu pour nous élus la référence et le recours. Quand une écriture posait problème, il était sécurisant de demander à Gaillotte. À la retraite, tu avais su garder contact avec tes collègues et une fois par semaine, tu partageais un repas au restaurant Risque, puis ensuite à Plaisance, suite à la fermeture de la perception de risque contre laquelle tu t'étais légitimement insurgé. La défense des services publics, le développement de ta commune sur le plan de l'éducation, des services, du social, mobiliser ton énergie depuis 1983. En tant que premier adjoint de ton ami André Dehesse, puis en tant que maire depuis 2008. Dans le cadre d'une intercommunalité élargie avec R et les communes landaises. Sans relâche, tu t'es attaché à développer et moderniser ton village, avec notamment ces gros travaux de la place de la Garlande, qui te tenaient tant à cœur, et que tu as pu mener jusqu'au bout pour un magnifique résultat. Oui, Jacques, tu étais ce fidèle compagnon, toujours disponible, rigoureux dans tes convictions, parfois un peu rugueux, ce qui traduisait ton exigence, mais toujours pressé. Confronté à la maladie, tu avais certainement minimisé, on ne pouvait pas soupçonner que cet empressement aurait si brutalement eu raison des compétences médicales. Quel choc. À toi Monette, à toi Karine, à toi Sébastien, à toute votre famille, nous exprimons toute notre compassion dans cette douloureuse épreuve. Et à toi Jacques, je voudrais te dire que tu resteras pour nous, à l'image de tous les budgets que tu as exécutés, un homme sincère et véritable. Nous ne t'oublierons pas.
évoquer la mémoire de Jacques sans rendre hommage à sa personnalité. À l'élu engagé dans la vie publique, aux militants politiques, aux citoyens républicains. L'homme tout d'abord. Jacques était un homme d'une extrême gentillesse et d'une très grande générosité. Certes, le propos était direct, spontané, franc, mais il était toujours attentionné. Jacques était très humble, ne cherchant jamais la lumière et voulant toujours le bonheur des autres au-delà des siens. Sa sensibilité humaine était à fleur de peau. Mais Jacques, c'était aussi et surtout l'élu, l'homme public, la commune. Sa commune, son village, était sa deuxième famille. Chacun reconnaissait sa très grande disponibilité, toujours très proche des citoyens, toujours à leur écoute, très attentionné au tissu associatif local. Je salue son dévouement à la cause publique, qui ne se limitait pas à sa seule commune, puisqu'il exerçait des responsabilités aussi intercommunales au syndicat d'électrification et au syndicat de l'eau potable. Jacques avait aussi un indéfectible esprit communautaire. Il fut l'artisan, avec son prédécesseur André, de la fusion des deux communautés de communes voisines. Il fut maire adjoint d'André et son adjoint chargé des finances. Et il veilla tout particulièrement, dans la préparation de cette fusion, à ce que les choses soient réalisées convenablement, en amont des élections municipales de 2008, pour sensibiliser la population, pour la rendre actrice de cette future fusion. Jacques était présent à toutes les manifestations communautaires sans exception, quelle que soit la commune. Fidèle à toutes les conférences des maires, où il faisait valoir ses positions, souvent tranchées. Jacques venait très souvent à la communauté de communes. Toujours attentionné vis-à-vis du personnel qu'il saluait individuellement. Il venait chercher un conseil. Il exprimait ses ressentiments. Il nous faisait partager ses interrogations, mais aussi, avec force, ses souhaits. Il veillait à un bon équilibre territorial, jalousant parfois sa grande voisine, notamment sur le plan commercial. Il voulait, avec raison, sa zone économique de Bastia, une annexe de la médiathèque et le maintien du commerce local. Il était particulièrement fier de l'implantation de l'entreprise Bacassier. Jacques était sourcilleux sur les modalités de l'organisation de la santé publique pour dénoncer en tant que de besoin les carences sanitaires, mais aussi la fermeture de la pharmacie. Il était un pilier de notre intercommunalité qu'il voulait performante et toujours orientée vers l'avenir.
nous perdons un fidèle soutien. Jacques était aussi un militant politique, fidèle à ses convictions socialistes. Son humanisme le conduisait à porter une attention particulière aux plus démunis. Très rebelle contre les inégalités de toutes sortes. Mais Jacques, c'était aussi et surtout un vrai militant du service public. Il dénonçait avec force, lorsqu'il y avait ici ou là, une fermeture de perception, une fermeture d'un bureau de poste, un regroupement de brigades de gendarmerie, et j'en passe. Il revendiquait le rassemblement des forces de progrès. Jacques, c'était enfin un vrai républicain qui portait très haut les valeurs de notre République. Et ces valeurs, cet engagement s'exprimait d'abord et surtout sur l'école et la culture. Nous gardons tous en mémoire sa fierté de procéder à l'inauguration du groupe scolaire Jean Jaurès il y a encore quelques mois. Il fallait le voir assidu au conseil d'école, sourcilleux sur le moindre détail pour essayer d'apporter un plus, un mieux à la communauté éducative. Avec son départ, nous perdons certes un ami, un camarade, mais aussi un grand monsieur. À Raymond de son épouse, à Karine et Sébastien, ses enfants, à tous ses petits-enfants qu'il chérissait, j'exprime à titre personnel, mais aussi au nom de l'ensemble du conseil communautaire, nos condoléances les plus attristées. Avec Gérard, cet homme de devoir, avec son conseil municipal, qui lui restera fidèle pour l'action future, j'exprime notre engagement de respecter ses volontés et notre fierté d'avoir partagé son amitié. Chères Renettes, chers amis, en l'espace de quelques mois, dans cet ouest gersois que j'affectionne et qui m'a toujours inspiré, j'aurais eu le triste privilège d'évoquer la mémoire de trois amis, de trois camarades, de trois élus qui auront servi leur territoire avec un amour infini, en même temps qu'ils auront marqué ma vie d'homme. Jean-Pierre, André et maintenant Jacques, tous trois me les ont fait aimer ces territoires et découvrir des talenquaires aux palombières, sans oublier la belle foire agricole dont ils étaient si fiers. La disparition de ces élus républicains, tous différents mais tous un peu les mêmes, tourne une page importante de notre vie politique commune. Même si je sais que la relève est là, prête à reprendre le flambeau et à se montrer à la hauteur de ce qu'ils ont bâti et entrepris au service des autres. Les cérémonies de deuil sont censées nous permettre de réconforter celles et ceux qui restent. Mais comment apaiser leur douleur ? Et pour dire la vérité, comment taire notre colère quand l'injustice arrache à notre affection des êtres précieux, estimés et si vivants dans notre mémoire. On voudrait échapper aux solennités d'usage, suivre un protocole qui ferait écho à la modestie et au désintéressement de ces grands serviteurs de la République.
Mais c'est moins simple qu'on ne le croit et nous sommes là, démunis et solitaires dans la peine, le cœur plein de larmes et d'incrédulité. 8 mois après la disparition d'André, le départ de Jacques laisse un vide immense à Barcelone et dans tout le Gers. Un vide dont seules les années qui viennent permettront de mesurer l'ampleur. Au moment où je m'exprime, nul ne parvient d'ailleurs à croire que Jacques ne veillera plus comme il le faisait sur cette commune à laquelle il a consacré son temps, mobilisé ses forces, dédié son intelligence et qui a vu ses larges épaules en sillonner le moindre des arpents. La légende dit que, par son histoire personnelle, Jacques était un homme de chiffres. Je peux témoigner qu'il était aussi un homme de mots. Et que les mots qu'il choisissait, dès lors que l'intérêt de Barcelone était en jeu, faisait mouche à chaque fois. Dans ce cas-là, qu'on soit préfet, député, président de département ou même pape, la franchise claquait comme le premier coup de fusil un jour d'ouverture. Il avait cette voix reconnaissable entre mille, qui permettait de savoir sans même se retourner qu'il était là. Et quand il me lançait « Tiens Philippe, tu tombes bien », je savais déjà qu'il y avait de bonnes chances que je me fasse engueuler. Il n'avait pas toujours raison, mais reconnaissons qu'il avait rarement tort. L'engagement de Jacques, son tempérament, sa volonté, chacun les connaissait et tout le monde les regrette déjà. Mais ceci n'est rien à côté du courage dont il a fait preuve dans les tout derniers moments de sa vie face à la maladie, lorsqu'il a tenu une dernière fois à nous penser qu'à sa commune, que ceux qui avaient pensé l'appliquent sur la. Pour ceux qui n'ont jamais eu d'engagement politique ou qui l'ont sans racine, tout cela peut paraître dérisoire. Mais cette histoire d'amour entre un élu et sa terre a un nom, c'est le don de soi. Nos pensées, nos forces vont à vous, Monette, à vous, Karim, à vous, Sébastien, à vous, Tom, Sarah, Romain, Yanis, car nulle douleur ne saurait égaler celle que vous éprouvez depuis que Jacques s'en est allé. En mon nom personnel et au nom de tous les élus du Conseil départemental du Gers, je vous adresse mes condoléances attristées et l'expression de ma très grande affection. À toi, Jacques, je dis notre gratitude et notre estime. Toi qui as su rester dans ta relation avec les autres un air simple et accessible. L'émotion que suscite ta disparition bien au-delà de ta commune est une manière pour tes amis et pour tes concitoyens de te dire à quel point tu as compté pour eux et combien tu nous manques déjà. À cet instant, je sais que nous emportons dans un coin de notre esprit le souvenir de chaque bon moment passé avec toi. Adichat, Jacques, à nous désormais de nous montrer dignes de toi, en étant fidèles à tes valeurs républicaines, en continuant ton œuvre, et de cette façon, en te faisant vivre à jamais dans nos cœurs. Madame la préfète ne peut être parmi nous aujourd'hui, mais elle m'a chargée de la représenter et de témoigner par les mots qui vont suivre la profonde tristesse qui est la nôtre face à la brutale disparition de Jacques Gaiotti, qui fut de par sa fonction un serviteur de l'État. Je souhaite tout d'abord m'adresser à son épouse, à ses deux enfants, ses petits-enfants, et leur exprimer toute ma compassion dans ce moment douloureux. J'ai également une pensée pour toutes celles et ceux qui l'ont côtoyé au quotidien, ses amis, ses proches, ses collaborateurs, les membres du conseil municipal, bien entendu, les élus de la communauté de communes d'Hers-sur-Adour dont il était délégué, ainsi que tous les habitants de cette belle commune de Barcelone-du-Gers. Je tiens à saluer ce serviteur de la République qui s'est investi pendant près de 36 ans pour sa commune et ses concitoyens, parallèlement à une brillante carrière au sein du Trésor public. D'abord conseiller municipal ici à Barcelone-du-Gers de 1983 à 1995, puis adjoint au maire jusqu'en 2008, Jacques Gaiotti était le premier magistrat de cette commune depuis 11 ans. Vice-président du CIVAC de risque, administrateur du SDEG, il était très impliqué dans l'intercommunalité depuis 1992. Chevalier de l'Ordre national du mérite au titre du ministère des Finances en 2001, il avait reçu l'année dernière la médaille d'honneur régionale, départementale et communale à l'échelon européen. La fonction de maire, vous le savez,
requiert une implication totale, permanente, au quotidien, qui plus est dans un territoire rural comme le nôtre. Le maire occupe une place centrale, il est l'interlocuteur privilégié pour ses habitants, il est chargé de résoudre les problèmes, il partage la vie de ses administrés dans les moments heureux comme dans les douleurs. Jacques Gagliotti était en cela un maire exemplaire, un homme de conviction, un homme de cœur, un altruiste qui avait conçu sa tâche dès l'origine comme un service, fidèle à un idéal humaniste dont il était le symbole souriant et humble. Vous savez toute l'action qu'il a menée. Toujours soucieux du bien-être des Barcelonaises et des Barcelonais, il a beaucoup œuvré pour améliorer leur quotidien, mais aussi leur cadre de vie. Je pense notamment à la mise en valeur du centre-bourg et de la place, aux investissements remarquables pour le confort des enfants dans leurs écoles primaires et maternelles, son engagement, et son soutien sans faille pour la foire au matériel agricole. Je tiens à rendre hommage à l'homme public qu'il a été jusqu'à son dernier conseil municipal lundi 8 avril dernier. Il laisse derrière lui de belles perspectives pour sa commune, comme la réflexion de la salle des fêtes, signe qu'il était et restera un homme de projet et d'engagement. C'est avec une profonde tristesse que je m'incline devant cet élu, trop tôt arraché à l'affection de tous, unanimement apprécié et dévoué. Un homme charismatique, dynamique, qui avait un mot pour chacun, et que j'aurais eu la chance et l'honneur de connaître. Au nom du gouvernement, au nom de Madame la préfète du Gers, et en mon nom personnel, je renouvelle toutes mes condoléances à son épouse, ses enfants, ses proches, ainsi qu'à la municipalité de Barcelone du Gers, et à tous ceux qui l'aimaient. Garde à vous. En hommage à Jacques Gagliotti, nous observons une minute de silence. Bravo. Ensuite vers l'église. Après l'inhumation, la famille et le conseil municipal vous invitent à tous nous retrouver à la salle des fêtes pour le son regard et m'a dit viens et suis-moi. Il a posé sur moi son regard et m'a dit viens, ne crains pas. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. Laisse-toi regarder.